Salut, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 22 juillet, il est environ 8h du matin, je viens de me réveiller. Et donc j'ouvre avec moi parce que je pars quelques jours en Espagne. Donc je vais vous faire un petit vlog, je ne sais pas encore si je vais faire plusieurs petits vlogs ou si je mets tout dans le même. Et puis donc là je vais faire ma valise, me préparer et tout, puis je vous reprends après. Pour ce qui est de la tenue, j'ai mis des petits sandales juste pour la voiture et une petite combi short du coup pour être assez à l'aise dans la voiture, sachant qu'en fait aujourd'hui ça va être quasiment que du trajet, trouver l'hôtel et tout, donc je me suis mis une petite tenue confortable et là voilà. Alors je viens de terminer ma valise, je suis quasiment prête. On va partir, puis écoutez, je vous filmerai le trajet, puis on se retrouve en Espagne. Bon les gars, il nous est arrivé une péripétie. En fait, si vous voulez, en Espagne, il y a des places jaunes où vous vous mettez genre 5-10 minutes. Et après, il y a des places blanches où genre vous restez là tout le temps. Et en fait, sauf que nous, on s'est garé aux places jaunes. Donc en fait, on s'est fait enlever la voiture. Et on a dû aller au commissariat du coup pour qu'ils nous rendent la voiture et payer mais une blinde, je sais. Hyper cher juste pour récupérer une voiture, donc et surtout que du coup on sait pas où c'est qu'on va se garer parce qu'on trouve pas de place, même genre ni blanche ni jaune. Donc écoutez, on va essayer de chercher ça. Puis en plus, surtout que de base on s'était levé pour aller manger, parce que là il faut savoir qu'il est 20h, donc on allait tranquillement aller manger vers la mer et tout, sauf que du coup on se retrouve au poste de police en attendant qu'ils veulent bien nous rendre notre voiture et trouver un parking pas trop cher. Voilà, donc écoutez, je vous retiens au courant ou sinon je vous reprends une fois qu'on aura trouvé la place, manger et tout. Voilà, bon ça y est, on a retrouvé la voiture, mais vraiment la grosse galère, on a dû payer archi cher, genre trop chiant.
Salut, salut. On se retrouve du coup pour la deuxième journée à Tout ça démarre. Alors là, on s'est levé il n'y a pas très très longtemps. On est allé prendre le petit déj et tout. Et aujourd'hui, on va aller visiter une fortification dans la ville pré-romaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, mais il fait hyper hyper chaud, genre déjà là le matin il fait 29, donc vraiment on va mourir. Et puis bah écoutez, je vous montrerai tout ça, je pense peut-être qu'on ira à la mer, je sais pas, ou peut-être de même. Et puis bah écoutez, voilà, je vous montre ça.
Salut, salut. Alors, troisième et dernier jour en Espagne. Là, on vient de se lever, on a été prendre notre petit déjeuner. Et on va aller à la plage parce que du coup, on n'y a pas été les autres jours. Et vu que là, c'est notre dernier jour, ben, on va aller se reposer, bronzer et tout et tout. Et donc voilà, après ce soir, on fait le retour. Donc on va essayer d'y rester vraiment toute la journée pour profiter au max. Et donc, bah écoutez, je vous amène avec moi et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on vient de rentrer de la plage, on y a passé vraiment toute la journée. Il est à peu près, il est 18h parce qu'on a le retour à faire quand même, on a 2h et quelques de route, donc on ne veut pas rentrer trop tard. C'était une bonne journée, je vous ai mis les images qu'on a fait cet après-midi. Et je pense que je vais vous laisser là parce qu'on a, comme je vous dis, le trajet à faire et il n'y a rien d'intéressant à filmer. Donc en tout cas j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Je sais pas trop, j'ai galéré un petit peu mais ça m'a beaucoup plu. Donc je pense en refaire si jamais je retourne en voyage, même s'il y a des petits trucs intéressants. Parce que normalement en décembre j'ai un voyage en Égypte qui est prévu pendant une semaine. Donc je pense quand même que là je vais vous faire des jolis petits vlogs. Et n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, si vous avez aimé. Vraiment, j'essaierai de répondre et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine. Bisous!